Bonjour, je m'appelle Irina, bienvenue au Chocolat Sheet, à notre troisième adresse qu'on vient d'ouvrir il y a à peu près un mois. Quand il n'y avait pas la Géorgie, c'était le royaume de Colchit. Donc on peut dire que c'est l'ancien nom de la Géorgie. Ici, on propose les plats et les vins géorgiens traditionnels. Ça va être les aubergines au noir avec épinards et betteraves au noir ou bien betteraves marinées aux épices et bien sûr le pain au fromage qui est vraiment indispensable. C'est le pain qui est frais de fromage. Il existe plusieurs types de radiapoli et en général, c'est à partager. Ici, sur notre carte, vous trouverez uniquement les vins géorgiens. Après, c'est vrai qu'on aura tout type de vins, les vins géorgiens qui sont vinifiés à la façon européenne ou les vins géorgiens qui sont vinifiés à la façon traditionnelle, qui consiste de vinifier les vins avec une très très ancienne méthode de vinification dans les jarres en terre cuite. Notamment, le vin que vous voyez ici, c'est un vin orange. C'est un vin, chez nous, on dit plus un vin ambré. Il est fait comme un rouge, c'est un blanc, mais qui est fait comme un rouge avec le pot, le pépin et tout. Et du coup, avec la macération, c'est un vin qui devient ambré. Donc, ça va. En général, les gens, quand ils voient ça, ils pensent que ça doit être un vin un petit peu sucré. Mais en général, ça reste les vins secs avec un peu plus de ténacité et caractère. Vous pouvez nous retrouver au 79 rue des Martyrs, du lundi au samedi, midi et soir. Et également nos autres adresses au 97 rue des Poissonnières, le restaurant Colchit, et au 87 rue des Poissonnières, la cave de Colchit. Rendez-vous chez Colchit pour retrouver les plats et les vins géorgiens. Et surtout, ne pas oublier, prends à la fin un verre de tchatcha, ou deux, ou trois. Tchatcha, c'est un digestif qui est fait à la base de marc de raisin. Et très très souvent, on récolte qu'au troisième verre, ça fait tchatcha.